Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du chantier des Max. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent en cours de route. Alors aujourd'hui, on va reprendre le contreventement de la partie nuit au niveau du pignon. En fait, on avait laissé le haut du pignon qui n'était pas encore recouvert d'OSB, mais on va s'en occuper aujourd'hui. Au programme du jour, on a aussi le toit à continuer, en tout cas les OSB à mettre sur un des pans du mur de la partie nuit. Et puis, ben, si on avance bien, on devrait pouvoir avancer aussi sur l'autre pan. L'objectif, ce serait que demain, le toit soit complètement fini et que le parpluie soit posé pour la partie nuit. Voilà, donc ça fait plusieurs fois qu'on vous parle de cet objectif qui arrive maintenant à grands pas, on s'en rapproche. Donc, on a hâte de voir si on va tenir notre objectif. On vous montre ça comme d'habitude. Et 146. Just
just us two. Début d'une nouvelle journée sur le chantier. Alors aujourd'hui, on a plusieurs objectifs. C'est de finir le contreventement des murs sur la partie droite de la partie nuit. Je ne sais pas si c'est très clair. En tout cas, il nous manquait deux petites plaques à mettre qu'on va installer aujourd'hui. Il faut aussi surtout qu'on installe le pare-pluie sur la face du toit qu'on a terminé l'autre jour avant d'attaquer l'autre face du toit, donc en posant à nouveau les dalles USB. Voilà, un petit peu de boulot en perspective aujourd'hui. Il faut absolument qu'on avance là et qu'on rattrape notre retard pour mettre cette maison hors d'eau. Voilà, l'objectif est donné, maintenant il faut qu'on avance, c'est parti.
C'est une fin de journée, on a bien avancé, on est content, on n'a pas atteint l'objectif qu'on s'était fixé, mais bon, on s'y habitue au fur et à mesure. On a fini au moins une des faces du toit et ça, c'est bien. Ouais, mais c'est une fin de journée un petit peu précipitée, une fois de plus par la météo qui est en train de changer. Beaucoup de vent et de la pluie qui est annoncée dès ce soir et puis dans les prochains jours, donc on va sans doute pas pouvoir venir demain et après-demain. Bon, on a protégé autant qu'on pouvait. Ce qui est bien, c'est que maintenant, il y a une des façades du toit qui est protégée par le parpaing. Le reste, voilà, il y a toujours nos chères bâches qui, pour l'instant, tiennent le coup. Mais voilà, il est quand même temps d'en finir avec cette protection et que la maison soit en rodeau le plus vite possible. En tout cas, c'est toujours un plaisir de vous voir toujours plus nombreux pour nos vidéos. On est content de vous avoir avec nous. Ça nous donne beaucoup de force. N'hésitez pas à nous mettre un j'aime, à vous abonner comme d'habitude ou à nous mettre un commentaire. Ou maintenant, vous avez, comme on vous l'a dit, la possibilité de nous mettre un super merci. Donc voilà, n'hésitez pas. C'est un soutien énorme pour cette chaîne. Voilà, c'est ce qui permet en fait de rendre tout ce projet viable et de pouvoir continuer à vous le partager encore très longtemps. Et on espère, comme d'habitude, que ce qu'on vous montre vous plaît. Et puis voilà, il y a encore plein de vidéos à venir et on va terminer cette maison, on l'espère, un jour. On vous retrouve dans la prochaine vidéo, comme d'habitude. Et d'ici là, à bientôt. À la prochaine. Salut.